Donc, je vais vous parler un petit peu de la médecine chinoise, d'une façon très générale. Alors, vous avez remarqué qu'à la différence de nos amis tibétains, africains, indiens, amérindiens ici présents, mon apparence physique n'est pas tout à fait, ethniquement parlant, liée à la médecine dont je vais vous parler. Hein ? Mais le respectable professeur, le docteur Leong, lui, effectivement, est tout à fait enraciné dans cette médecine ancienne. Et donc, je suis un petit peu sur ses épaules, puisque je représente à peu près la 16e génération de cette étude. Et lui, il avait déjà commencé à prouver que cette médecine millénaire, après quelques, donc, ouais, très millénaire, 30 siècles à peu près de connaissances, d'expériences accumulées, méritait de sortir de son écrin national pour peut-être montrer au reste du monde ce qu'elle pouvait avoir d'universel. Alors, comme toutes les médecines traditionnelles, la médecine chinoise, elle est forcément teintée par des concepts, par une terminologie qui lui sont propres et qui peuvent, si on les considère simplement de manière superficielle, un peu exotique, donner une coloration exotique à cette médecine. Mais ça peut être nuisible à son caractère, justement, universel, son caractère rationnel, son caractère scientifique. C'est ça que j'ai envie de vous montrer aussi à propos de cette médecine. Vous avez tous plus ou moins entendu parler de la médecine chinoise, mais là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si elle a quelque chose qui peut être universel dans sa compréhension du vivant. Donc, je vous propose qu'on mette quelques instants de côté toute notion, justement, scientifique ou culturelle. Vous avez vu, on a eu des exemples ce matin différents. Et on va essayer de regarder le vivant ensemble, avec des yeux de Candide, un peu le petit prince qui débarque sur cette boule-là, sur cette jolie planète bleue. Et je vous propose de procéder simplement par observation et hypothèses successives, ce qui est d'ailleurs le propre d'une démarche scientifique. Donc on va essayer d'admettre les choses et d'imaginer des choses. On voit, je ne sais pas si vous voyez, la Terre, le Soleil, voilà la Lune. Donc, est-ce qu'on peut commencer par admettre que les conditions de la naissance de la vie sur Terre sont extraterrestres ? C'est-à-dire, elles sont le fruit de conjonctions stellaires et planétaires dont la ronde a donné les jours et les nuits, les saisons, la couche atmosphérique, le champ magnétique terrestre, bref, les premiers éléments qui sont forcément nécessaires à l'éclosion d'une forme de vie. Donc simplement, imaginons qu'on donne un nom symbolique à chacune de ces influences sur notre planète. Imaginons simplement qu'on appelle Yang l'influence solaire et qu'on appelle Yin l'influence lunaire. C'est juste un nom qu'on donne à l'influx, à l'effet de ces astres sur notre planète. Imaginons qu'on donne un nom d'élément naturel emblématique à l'influence des planètes, à part le Soleil et la Lune qui donnent le jour et la nuit. On va appeler bois, par exemple, l'influence, je parle de l'influence, hein, le mouvement de la planète Jupiter sur la Terre, feu, celle de Mars, etc. D'accord. Ça, c'est juste un nom qui est donné à des influences de la vie sur Terre. Ensuite, on observe cette ronde au cœur de laquelle nous sommes. Et on peut essayer de se poser, comme le fait un ouvrage de médecine chinoise qui a été écrit aux environs de 300 avant Jésus-Christ, la question suivante, la première question suivante, qui dit « La Terre, bien que de vastes dimensions, est soutenue dans sa course à travers l'espace par des forces invisibles qui la maintiennent et la contrôlent. » D'accord ? Une évidence. Si ces forces peuvent s'exercer sur une masse aussi importante que la Terre, combien puissante doit être leur influence sur l'homme ? C'est une bonne question. Et donc, on peut effectivement reconnaître que l'être humain, il doit sa vie et sa survie à trois forces, à trois rythmes qui battent en lui en ce moment. Tous les secouristes connaissent ça, tous les réanimateurs connaissent ça. Qu'est-ce qui nous maintient en vie ? Qu'est-ce qu'on vérifie quand quelqu'un vient de tomber par terre ? Le pouls ? La respiration ? La conscience ? D'accord ? Mais le rythme du souffle, la respiration, c'est le ciel qui nous l'offre.
On absorbe le ciel à chaque souffle et on lui rend quelque chose. Donc on est suspendu au ciel. Le sang, il vient d'où ? Ceci est mon sang. Ben, ouais, le vin rouge, il vient d'où ? C'est le sang de la terre, d'accord ? C'est les battements du cœur de la grand-mère. Boum, on les a mis tout à l'heure pour vous faire venir. Et le souffle, c'est ce qui permet les champs vers le ciel. D'accord ? Donc c'est l'alimentation qui coule dans nos veines. C'est les produits de la terre. Donc c'est la terre qui nous donne le sang. Et puis la conscience, c'est des mouvements de veille et de sommeil qui suivent les mouvements du jour et de la nuit, plus ou moins. Ça suit la danse de la lune et du soleil, le cycle nyctéméral, et on ne peut pas rester indéfiniment sans cette grande pulsation du jour et de la nuit. Si on nous empêche de dormir, on est mort. Donc ces trois rythmes qui forment la vie, en fait, qui nous maintiennent en vie, ne sont pas à nous. C'est le rythme du soleil, de la lune, de la terre et du ciel. Et si on croit que notre vie nous appartient, on arrête de respirer 5 minutes, on en reparle. Donc partant de là, on peut facilement imaginer que pour être en bonne santé, la première règle, ce serait peut-être de connaître et de respecter ses forces et les rythmes qu'elles nous imposent. Voilà ce qu'en dit le même ouvrage, le Nietzsche, dans une citation qui est d'ailleurs quasi prophétique pour aujourd'hui, qui dit « Pour connaître ce qui est au-dessus, il y a le Tao du ciel. » Tao, c'est l'étude, la voie, le chemin d'étude du ciel. « Pour connaître ce qui est en dessous, il y a le Tao de la terre, étude de la terre. » C'est-à-dire, ben voilà, tous les phénomènes qui sont l'étude du ciel, l'étude de, vous voyez, tout, ben, l'écologie, la géologie, l'agriculture d'un côté, de l'autre côté, la cosmologie, la météo, enfin voilà, l'étude du ciel et de la terre, tandis qu'entre les deux, il y a l'humanité. Comprendre cela donne longue vie. Par contre, si on ignore les lois du ciel et de la terre, cela provoque des désastres. 300 avant Jésus-Christ. Considérons donc, pour le dire autrement, que la vie, je viens de le dire juste avant, ne nous appartienne pas finalement, mais que ce soit nous qui appartenions à la vie. Et on peut admettre à ce moment-là, comme Rousseau, qu'on ne puisse commander à la nature qu'en lui obéissant. Plutôt qu'en cherchant sans cesse à la dominer, à l'exploiter, à la manipuler. Dès lors que cette nature apparaît comme notre mère créatrice et nourricière, nous pouvons aussi convenir du fait que logiquement, tout enfant ressemble à ses parents. Bon là, c'est un petit mélange de tradition amérindienne et chinoise, mais parce qu'il y a des animaux qui sont là-dedans en plus. Mais une citation classique en médecine chinoise dit « Le médecin regarde son patient comme un peintre regarde sa toile. » Il y a une notion de paysage humain. C'est-à-dire qu'on peut regarder un être humain non pas comme un assemblage de molécules, mais comme une nature en modèle réduit, avec des fleuves, des vallées, des rivières, des reliefs montagneux. Et là, par exemple, vous avez effectivement à gauche l'élément bois, la nature, un effet de sève, de montée, c'est lié à la fonction du foie. On a le cœur, qui n'est pas seulement une pompe, en médecine chinoise, c'est aussi une lampe. C'est celle qu'on trouve dans les églises, vous savez, dans les iconographies religieuses. Vous avez au milieu, ben, dans le bison, tout est bon. Vous avez la transformation, c'est la terre. La terre, c'est la transformation. On est un passage à travers la forme en ce moment. À droite, vous avez le monde minéral, c'est le système du poumon, c'est-à-dire le côté pur, l'air, et les liquides qui descendent vers le bas. En bas, on a les reins. En fait, on a un paysage, c'est-à-dire que c'est un écosystème humain. On regarde un patient comme si c'était un microcosmos, une petite nature. Et donc, si on pousse l'analogie, on peut aussi imaginer que notre parenté avec les autres espèces vivantes nous permettent de mieux comprendre notre propre nature. Il y a un autre passage du Nietzsche qui dit « Il en est du bois comme des hommes. On en trouve des types nombreux et différents. » Vous voyez les arbres dans une forêt.
Tous les arbres, je passe la, parce que c'est un peu long la citation, mais tous les arbres doivent suivre les lois des quatre saisons, mais chacun à sa façon. Le chêne et le roseau. L'un est malade alors que l'autre n'a rien ou même tire profit de la situation. C'est-à-dire à situation climatique égale, il y en a qui vont quasiment en profiter, ça va les soulager, et d'autres, ça va les descendre, parce qu'ils ne sont pas faits du même bois. Donc on a pris deux types de chinois, que vous connaissez peut-être, voilà, qui ne sont pas simplement faits du même bois. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'attendre à ce qu'ils répondent aux mêmes normes. Vous voyez, dans les examens, par exemple, ben, ce serait un peu étonnant qu'ils aient, enfin, à santé égale, en bon état de santé, ce n'est pas dit qu'ils ont la même pression, etc. etc. Et pourtant, ce n'est pas ça qui veut dire qu'ils sont malades ou pas. Donc le fait est que nous sommes homogènes, mais nous ne sommes pas, nous partageons les mêmes gènes, mais nous ne sommes pas identiques. Donc, si, ça, c'est, enfin, je ne sais pas si pour l'instant vous partagez ces évidences, cette réalité, mais effectivement, on peut s'imaginer partant de là qu'une médecine qui va traiter à l'identique des individus parfois très différents, regardant juste les examens sans tenir compte de l'individu qui est derrière, hein, sans tenir compte de ce bois dont ils sont faits, ben, est peut-être plus primitif qu'elle en a l'air. Voilà. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Non, pas toi, Obélix. Voilà. Il y en a, il ne faut pas qu'ils prennent certaines choses. On va revenir à ces trois rythmes qui nous maintiennent en vie. Imaginons à présent que chacune de ces sources de vie, hein, l'air, la terre, les rayonnements, la lumière, du soleil, etc., qui nous nourrit, se reflète tellement dans notre constitution que ça fasse de nous un être humain tripartite, à trois étages. C'est-à-dire qu'on appelle ça en chinois Sanpao, les trois trésors. C'est-à-dire que notre corps, en fait, il est fait de matière, c'est de la terre. On va y retourner. Ça, c'est la partie organique de l'individu. Le ciel, qui est le produit d'ailleurs du rayonnement solaire sur le phytoplancton, enfin sur la surface de la Terre, a donné la couche atmosphérique qui permet la vie. Donc ça, c'est toute la partie dynamique fonctionnelle, le pneuma, hein, le souffle, qui fait que y a une pile dans le petit lapin et Duracell, et on est capable d'avoir un métabolisme, de bouger, d'avoir une thermorégulation, etc. Donc on est une machine en fonctionnement. Il y a du chi, on dit en chinois, donc de l'énergie. Hein. L'énergie, ce n'est pas un terme fumeux. Hein. Tout physicien sait ce que c'est que l'énergie. Et puis, Shen, en fait, vous savez, quand on comprend, on dit c'est clair, je vois, c'est lumineux. Il y a un lien en médecine chinoise entre la notion de lumière et la notion d'esprit. Si on s'amuse un peu, effectivement, l'énergie est le produit de la lumière par la matière. Sauf que là, dans l'équation de M. Einstein, il y avait un C au carré, c'est-à-dire la lumière multipliée par elle-même. Donc ça, c'est une équation intéressante en physique quantique, c'est-à-dire, là, on dépasse un sujet, mais le fait que non seulement l'être humain est un être tripartite, mais ça donne une petite idée, quand je vous parlais de caractère scientifique d'une médecine, c'est-à-dire que on est en... Les trois trésors, ouais, on est vers 500 avant Jésus-Christ, et on est en train de valider scientifiquement cette équation en physique quantique aujourd'hui. On oublie que des pays comme la Chine, il y a d'autres cultures, hein, mais ont inventé des choses qu'on a mis des fois 10, 15, 20 siècles à trouver après. Et c'est des échelles de temps qui nous échappent. Nous, on ne s'intéresse aux choses qu'à partir du moment où c'est nous qui... Voilà, que ça vient de nous. Avant, ça n'existait pas. Donc, si on part de cette vision multidimensionnelle de l'être humain, parce qu'un être humain, ce n'est pas juste un cadavre qu'on dissèque en fac de médecine. C'est quelqu'un qui vit, et c'est quelqu'un qui a un conducteur à l'intérieur du véhicule pour faire le chemin. Donc, quand on reçoit un être humain, il faut prendre ces trois dimensions en compte. L'aspect organique, l'aspect fonctionnel, l'aspect psychique, avec toutes ces dimensions, elles aussi, à l'intérieur de ce qu'on appelle le psychisme. Et c'est tous ensemble qui fait un être humain. Dans un, je ne sais pas si je l'ai là-dedans, mais il y a une citation dans le Qing qui dit que quand le médecin fait l'examen de Tsing Chie Shen, c'est-à-dire de ces trois dimensions chez un patient, il doit s'inquiéter de la perte d'une autre situation, du désir de ceci, cela. C'est-à-dire, voilà, on cause comme le médecin de famille d'antan. Mais ce n'est pas juste
une analyse médicale et un homme-objet qui se promène d'examen en examen. C'est autre chose. Donc, si on part de cette vision multidimensionnelle, on peut imaginer que si on ne prend pas en compte les paramètres fonctionnels et psychiques de l'être humain, il manque 2 étages sur 3. Au niveau du fonctionnement, ça ne va pas pouvoir nous expliquer la cause des maladies. Alors, on va mettre des étiquettes, des noms de maladies. On va faire des essais en double aveugle, ce qui est, ou triple aveugle, ce qui est d'ailleurs une forme d'aveu, le mot aveugle, dans ces cas-là, parce que c'est très empirique, finalement. Mais on ramène la personne à son cadavre. D'ailleurs, quand on fait les examens, c'est des choses mortes qu'on analyse, parce que ce n'est plus à l'intérieur de la machine qui tourne. Donc, on va aboutir à des impasses cognitives, des impasses thérapeutiques, c'est évident. Inversement, il est possible que pendant ces quelques jours, imaginez, on a dit qu'on respire, on mange. Pendant 3 jours, là, on respire le même air. On va manger plus ou moins la même nourriture. On va partager la même lumière, si on peut dire. Les mêmes connaissances, partager les mêmes réflexions. En fait, ces 3 trésors individuels deviennent 3 trésors collectifs. Ça fait un nous. Un peu plus grand, donc. Ça, c'est porteur d'une médecine à 3 dimensions. Chaque dimension est productrice d'une forme d'énergie. La Terre est pleine de ressources énergétiques, de ressources fossiles, de ressources renouvelables. L'énergie, bien sûr, l'éolien, le solaire, enfin voilà, tout ça, c'est des sources d'énergie, en fait, multiples. Et elles se réunissent dans l'être humain. Par exemple, le moral, la confiance, c'est le jour et la nuit. Enfin, on parle de placebo, de nocebo, tout ça, mais c'est des éléments qui vont conditionner le devenir d'un état de santé ou de maladie. Donc, ces 3 trésors, on peut bien imaginer qu'elles forment la somme de notre capital vital individuel, qu'on appelle en chinois Chengqi. Chengqi, Cheng, ça veut dire droit, correct. Donc, énergie droite. Ça s'oppose, en fait, à ce qu'on appellerait l'immunité, notre capacité d'adaptation et de résistance à un monde qui, d'un côté, nous nourrit et de l'autre, peut nous éprouver. Et donc, comment trouver cet équilibre, cette adaptation, la capacité de résister, mais aussi cette capacité de se mitridatiser, parce qu'on fait partie de ce monde et qu'il n'est pas hostile, fondamentalement. Donc, c'est évidemment cette somme d'énergie qui va nous permettre de résister à l'ensemble des facteurs pathogènes qui peuvent entamer notre immunité. Et on dit en médecine chinoise, la perversité est fonction de la résistance. La perversité, c'est le nom qu'on donne en chinois. Xieqi, c'est énergie perverse, ça fait un terme un peu bizarre, mais tous les facteurs pathogènes quoi, qui peuvent nous entamer notre vitalité, créer des déséquilibres et nous rendre malades. Donc cette perversité est fonction de la résistance. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des gens, ils vont résister à des vents forts et d'autres, un simple courant d'air, ils sont malades. Il y a des gens, ils mangent n'importe quoi, ils font feu de tout bois, et d'autres, il faut qu'ils fassent très très attention à ce qu'ils mangent, sinon ça bloque tout. Ça veut dire qu'ils sont faibles, ça veut dire qu'il faut régler le moteur, c'est pas de la faute au carburant. Donnez-nous notre pain quotidien, donnez-nous notre gluten quotidien, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être capable de s'adapter, et si on n'est pas capable, c'est pas de la faute au monde. Chez les Lakota, il y a un dicton qui dit « si tu trouves que la terre est trop dure sous tes pieds, tu peux mettre des peaux de bête partout sur la terre. Tu mets des mocassins. » La perversité est fonction de la résistance. Donc il n'est pas difficile d'imaginer que cette immunité naturelle que nous confère la nature se réduit à mesure que nous nous coupons d'elle. Donc si on vit comme un poulet de batterie ou comme un canard sauvage, ça ne va pas donner du tout. Telle est la question, vous voyez, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'on vit depuis 2 ans. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'on se retrouve ici, ensemble, en plein air, plutôt qu'en zoom derrière un ordinateur, si c'est possible, pour parler de ce dont on est en train de parler. Voilà, je ne voulais pas prendre trop de temps parce que je vais laisser un max de temps aux autres, mais esquisser en quelques minutes les bases d'une médecine qui, je ne sais pas si vous l'entrevoyez, mais n'a rien de très chinois. En fait, et dont l'universalité, en tout cas, vaut bien d'autres sciences. Je terminerai en partageant cette remarque que m'avait fait le docteur Yang Mingchun, qui dirigeait le service de médecine interne à l'hôpital de Chengdu.
et qui me disait, vous avez, de toute façon, vous avez deux façons de regarder la vie, de comprendre la vie, le vivant. Soit vous enfermez dans un laboratoire et vous rivez vos yeux à un microscope, soit vous sortez dehors et vous écarquillez les yeux. C'est deux façons d'essayer de comprendre les choses. Donc c'est peut-être là ce regard scientifique aux yeux d'enfant, voyez, qui regarde avec admiration, mais pas que tout ce qui se passe autour, qui essaie de comprendre comment tout ça tourne, qui nous unit, qui nous réunit ici, au-delà de l'emballage culturel de chaque tradition médicale. Et puis effectivement, quand on voit comment tout ça fonctionne, l'intelligence du vivant, du ciel, de la terre, comme disait Voltaire, cet univers m'embarrasse, car je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Donc forcément, on se pose des questions spirituelles aussi au-delà de toutes ces choses-là. Mais voilà, au départ, on parle de la médecine. En tout cas, il me semble que cette théorie de la médecine chinoise, que ne fait que rejoindre, je vous dis, depuis quelques 25 siècles, la science d'aujourd'hui, elle aurait les moyens de faire reconnaître, si on veut bien admettre qu'il existe le fait qu'il existe plusieurs sciences, de même qu'il y a plusieurs médecines, mais il y a plusieurs sciences, évidemment. Il n'y a pas la médecine et la science, comme on essaie de nous le faire croire. Et donc, il y a les moyens de reconnaître la valeur véritable d'une approche holistique du vivant. Et ça, je pense que c'est une valeur, une approche à laquelle adhèrent à peu près toutes les traditions dont on va parler. Et donc, et c'est ce qui peut-être fera que par la suite, on pourra essayer de travailler ensemble un jour pour le bien commun. Parce que, voilà, il y a l'emballage et le contenu, mais jusqu'à présent, vous avez remarqué, on parlait toujours d'éléments, de ciel, de terre, d'homme, d'esprit, voilà. Donc, je vous ai présenté en deux mots quelques éléments qui viennent de la médecine chinoise, mais voilà, c'est juste ça que je voulais partager avec vous maintenant. Ben, je crois que c'est tout, ça va suffire. Hein, merci.